Salut les filles, petit vlog aujourd'hui. Voilà, parce que j'avais envie de papoter avec vous, donc c'est l'occasion. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé. Ça y est, c'est fait. Donc on n'est pas encore totalement installé, forcément. Il y a des cartons partout, soyons très honnêtes. Les seules choses qui sont à peu près rangées, c'est notre chambre et mon tiroir, ma salle de bain, parce que vu tout le bordel que j'ai, il valait mieux que le range. Donc voilà, ça c'est les premières nouvelles. On est super fatigué, ça je ne vous cache pas. Pour autant, on est vraiment hyper heureux d'être enfin chez nous. Donc voilà, j'espère que je pourrai rapidement vous faire une house tour. Ouais, enfin, un tour de la maison quoi. Enfin, ou un tour des pièces à voir en fonction de tout ce que j'ai à vous montrer. Voilà, j'aimerais vraiment vous montrer notre petit univers, mais bon, pour l'instant il n'y a pas vraiment de déco, donc c'est pas très bien. Donc on va attendre un petit peu. Pour la suite des nouvelles, je me suis remise au sport, il était temps. Donc voilà, j'ai repris la natation, ça me fait énormément de bien, même si c'est ultra crevant. Mais voilà, j'essaie d'y aller au moins 2 fois par semaine. Dont une journée qui est fixe, qui est le dimanche matin avec ma maman. Et puis là où je suis hyper heureuse, c'est que mon doudou a décidé de venir avec nous. Alors même si lui, il fait que barboter, hein, c'est pas un grand nageur, mais bien, au moins il est présent. Et ça, c'est top. C'est vraiment un geste que j'apprécie de sa part. Quoi vous dire d'autre? On a de la chance, cette semaine il fait beau, enfin il fait même trop chaud, hein, 34. Voilà, mais on se prépare, hein, puisque l'automne arrive à grands pas. Forcément, hein, la semaine prochaine, il fait 21. Voilà, on va perdre 14 degrés en une petite semaine, ça va faire tout drôle, mais nous on a l'habitude, donc on va faire comme ça. Puis c'est tout, et puis voilà, en fait je m'aperçois qu'il est pas très bien ce vlog, parce que j'avais envie de vous parler et je sais pas quoi vous dire. Mais c'est bizarre. C'est vraiment hyper bizarre. Mais bon, logiquement on a internet qui est revenu puisqu'on a reçu la box. Mais on n'a pas eu le temps de la brancher. Donc on verra quand ça marchera. Et puis voilà. Ah, le vlog pour rien dire. C'est une horreur. Bon, bah voilà. J'espère que vous allez bien. Sincèrement. J'ai beaucoup de retard à rattraper. Parce que voilà, hein, mine de rien, vous continuez, vous êtes actifs pendant mon absence. Donc il va falloir que je me remette un petit peu, que je trouve un petit peu de temps pour regarder tout ça. Donc je pense que je vais squatter un petit peu les toilettes. C'est à peu près ça le moment où j'ai du temps en ce moment. Donc voilà, je pense que je vous amènerai avec moi. Au moins j'aurai le temps de regarder vos vidéos. Hein. En premier, je ne filmerai pas, mais je prendrai le temps de regarder vos vidéos, ça serait pas mal. Et puis voilà, il va falloir que je me mette à préparer maintenant tous les petits NSP qui sont prévus avec plein de fiches formidables. Donc ça, une tarte de m'y mettre. Et puis il va falloir que je m'attaque sérieusement au mariage. Quand même, hein, parce que bon, on a des faire-part à préparer, on a toute une salle à réserver, enfin, c'est un traiteur à trouver. Donc il y a un petit peu de boulot, très honnêtement. Donc ça aussi, ça va être on va dire un grand chantier. Ah si, et puis grande nouvelle quand même. J'ai oublié de vous dire, ma période d'essai a été validée, je suis donc officiellement en CDI, donc je suis hyper contente. Là où je suis d'autant plus contente, c'est que ma meilleure amie a un entretien dans mon entreprise demain. Donc bon, pour vous ça sera déjà passé, hein, mais demain, voilà. Et donc je suis hyper contente parce que ça serait vraiment rigolo qu'on rebosse à nouveau ensemble. Voilà, donc la pauvre, elle va être tout en train de stresser, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Donc voilà, c'était les bonnes nouvelles du côté boulot. Pardon. Et je voulais vous dire autre chose et j'ai oublié entre temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le mariage, le boulot. Je sais plus. Non, là vraiment je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je profite quand même de cette petite vidéo pour remercier toutes les poulettes qui m'ont envoyé des petites cartes postales pendant leurs vacances. J'ai vraiment trouvé ça adorable. N'ayant pas pu partir à cause de ce nouveau job, hein, tout simplement, ben voilà, je suis partie un petit peu en vacances avec vous. Merci beaucoup. Je pense notamment à Océane,
à Hélène qui m'en a envoyé plein. Plein. De toute façon, dès qu'elle part, Hélène, elle pense à moi, donc c'est vraiment trop mignon. Je pense notamment à Lise qui m'a envoyé aussi une petite carte de Venise, même si elle est partie qu'un week-end. Donc j'ai vraiment trouvé ça super mignon. Puis voilà, toute seule. Non, je crois pas en avoir reçu d'autres. C'est une horreur en ce moment. Je suis tellement fatiguée que j'oublie tout ce que je veux dire, tout ce que je veux faire. C'est déjà un miracle que j'ai déjà réussi à parler pendant 5 minutes et demie sans que ma langue ne fourche. Donc ça, c'est bizarre. Bon. Dans tous les cas, je vais vous laisser, hein, parce qu'il va falloir que je finisse de m'habiller pour aller bosser. Puis on se retrouve très rapidement, hein, comme d'habitude. Voilà, ma coupure d'internet a été finalement relativement courte, hein, une quinzaine de jours. Pour autant, ça m'avait vraiment manqué et il me tarde de faire voilà, bah, à nouveau plein de vidéos pour continuer à partager mes passions, puisque même mine de rien, même si j'ai une petite chaîne, c'est pas grave. Je l'aime beaucoup et j'ai pas besoin d'avoir des milliers de followers pour me sentir bien. Donc merci. Bon, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve rapidement. Salut!